Ça enfin YouTube, on se retrouve pour une petite expérience PSVR avec Call of Duty Infinite Warfare Jackal Assault VR Experience. C'est très long à dire et c'est juste impressionnant parce que ce jeu là, enfin non, c'est un DLC pour Call of Duty, mais c'est un DLC qui peut être téléchargé à part, donc c'est ce qu'on appelle un standalone. Et il est gratuit, même si vous n'avez pas Call of Duty, vous pouvez pas l'acheter puisqu'il est gratuit, mais vous pouvez le télécharger et y jouer. Et ce qui est impressionnant, je viens d'y jouer en fait avant de lancer la démo, c'est que c'est gratuit et vraiment niveau immersion, à part F-Valkyrie, je crois pas qu'on ait grand chose d'autre. Regardez-moi la qualité de ces textures, regardez comment on peut regarder de près, tout le cockpit a été modélisé. C'est vraiment cool ce qu'ils ont fait. Et il y a une ambiance qui est juste malade. Les effets de lumière, de fumée. Je sais pas comment ça rend en vidéo. Mais quand vous êtes dans le PSVR, j'insiste beaucoup là-dessus, mais vous avez une image qui est envoyée à chaque œil. Et là, c'est vraiment de la 3D de chez 3D. En plus, je me suis mis le ventilateur. Du coup, j'ai l'impression de sortir du vent sur le côté. Mais c'est juste... génial comme expérience. Et comme c'est très très fluide, dès qu'on tourne la tête, voilà, on regarde sur le côté, c'est très naturel. On a l'impression d'être dans un univers... Wow ! Dans un univers 3D. On est vraiment présent dans l'univers. Et ça, c'est... c'est carrément génial. C'est la planète Terre qui est en dessous ? Putain, j'ai l'impression d'être dans l'espace. C'est vraiment génial. Je me rassois correctement. Ralentissez pour réaliser un scan. Arrêtez-vous là, le temps de procéder au diagnostic. Regardez mon tableau de bord. Ah, c'est ça pour freiner. Hop là. Oups. Leader, ici Scar 1-2. Dégâts modérés confirmés au niveau des capteurs arrière. L'antenne principale. Donc on peut viser avec sa tête en fait. Lorsqu'on vise avec sa tête, on lock. Voilà. Et on tire des missiles ensuite. Donc là, 1, 2, 3. Et bam. Faites voir. Et le dernier, il est là. Je crois que je les ai tous tués. Je dis pas de bêtises. Ah non, il y en a là-bas au fond. Vous avez vu, pour regarder s'il y en avait au fond, j'ai carrément bougé la tête. Fluctuation énergétique détectée droit devant. Ça pourrait être dû aux dégâts subis par les capteurs. Vous pouvez aller voir. J'indique les coordonnées sur votre ATH. Reçu, leader. On y va. Voici l'anomalie. On approche de la position, leader. On dirait bien que les capteurs déconnent. Attendez. Oh putain, c'est quoi ça? Oula. Leader, on nous attaque. J'ai un porte-astronef géant d'une telle tête en visuel. Par groupe de 3, c'est con. Reçu 1-2, escadron en route vers votre position, tenez bon. Il faut qu'on détourne la tire de nos vaisseaux. Attaquez ce scanner. Ok, c'est fait. Il y en a 3 derrière, apparemment. On va se prendre ceux en face. En fait, faut tirer un peu devant eux. Il y a un petit ridicule qui indique l'endroit où tirer. Je sais pas si vous voyez à chaque fois. Wow! Hey gars! Ils sont des milliers ou quoi? J'ai plus de missiles apparemment.
Qu'est-ce qu'il me fait? Ça, mais plus j'en tue, plus il y en a. Missile lancé. J'en ai eu un. La flotte se fait massacrer. Fais ce que je peux pourtant. Et à tout que plus j'en tue, plus il y en a. Dernier. C'est bon, il a explosé. On est les boss. Wow, papa. T'es un peu trop près, moi. Tous les scars avec moi. Retour à la base. Je répète, retour à la base. Ouais. Ouais, ouais. Très, très belle expérience VR. Regardez-moi les poussières qu'il y a là dans l'étoile. Très 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 belle expérience VR, je vous la conseille fortement. Elle est courte, mais elle est bonne. Vraiment. Bon, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à ciao les otaku et à une prochaine pour une expérience VR. Bye bye. Ciao ciao. Oula, avec mes bao bao.